Du coup, Nino, est-ce que c'est bien l'item de la main noire bizarre là, cet artefact dont tu parlais? Parce que là, clairement, je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. Tout le reste, normalement, a été déjà fait. Ah, je viens de checker, j'ai 4 cadeaux dans le coffre à cadeaux, donc coup j'ai 4 fois des trucs pour Rainbow Six, je suppose. Du coup, merci à ceux qui ont mis ça. Et voilà, ça fait à peu près 1 heure que je suis là ce soir, c'est pas mal. Du coup, je balance un cadeau. Hop là. Donc, quelqu'un va récupérer un cadeau Twitch Prime, Rainbow Six Siege, Jackal. Au plaisir. Du coup, c'est Loïc Porto 69 qui a récupéré ça. Le Commodore, comme quoi. Et Nino, pareil. Alors. On la connaît cette zone et pourtant, mais non, fallait que je me prenne des dégâts. Donc cette porte, on sait toujours pas comment l'ouvrir. Je suppose que ça sera à ouvrir de l'autre côté. Mais l'autre côté, voilà, hein, on sait pas, on n'en sait pas plus. T'as pas le nom de l'artefact. Le nom de l'artefact se nomme Artefact de l'ombre. Je sais juste que dans le niveau du village endormi, j'ai un artefact à trouver. Mais c'est celui-là en fait, c'est cet artefact-là. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai récupéré. D'accord, ça doit être ça, tu me dis. Ben, je suppose que c'est ça aussi alors. J'ai pas trop pris de dégâts. Il y a deux gargouilles qui tirent des lasers dans ce niveau, ça doit être pour ça. Oui, je les ai sentis passer ces lasers là l'autre fois. On y allait et je me dis tiens, ça a l'air sympa. Je me suis fait mal, très mal. J'étais dégoûté parce que j'étais bien avancé, j'avais récupéré la rune en haut et tout. La rune de Terruk. Oh non, va falloir remonter. Sérieux, va falloir remonter? Elle est bien ma technique, hein. Bon, et on sait toujours pas ce à quoi peut servir ce trou dans le tronc d'arbre. Dans le tronc d'arbre, pardon, j'ai du mal. Et là, il manque peut-être quelque chose sur ce poteau-là. Mais oui, là, on va éviter d'y aller. Donc on n'a pas d'autre choix que d'aller chercher encore une fois. Ça m'étonnerait quand même. Non mais ça va, je me fais cracher à la gueule quoi. Viens là. Non, non, attends, il y a des pièces là-bas. Voilà. Donc on sait que les pièces repopent dans les niveaux, ça c'est bon à savoir. Et hop là, la fontaine de jouvence est revenue aussi.
Je crois qu'il y en a un troisième. Vous pensez que c'est ces crapauds-là que la narratrice dit qu'il faut pas lécher? Il doit y avoir une emote léchée peut-être. Parce que du coup, elle insiste beaucoup, il faut pas lécher les crapauds sur le dos. Du coup, ça donne envie de lécher les crapauds sur le dos. Dans le jeu, je précise. Voilà, c'est le troisième. À chaque fois, je me plante. Enfin, à chaque fois, je l'ai fait qu'une fois. Acheter un crapaud à Jake pour Noël. Oui, bien sûr, tout à fait. Il va pas faire long feu, le pauvre. Hein. En plus, il paraît que les cuisses de grenouille, ça se mange en France. Je suis français et pourtant, je dis ça comme si je ne l'étais pas. Non, je mangerai pas de cuisses de grenouille, je vous tiens à vous rassurer. Acheter plusieurs grenouilles à Jake pour Noël. Un défi, des petits défis communautaires chez Vincent Studio. Premier, Jake doit manger des cuisses de grenouille, bien sûr, tout à fait. Salut, t'as tort, c'est vachement bon, Shenpu. Bonjour, Shenpu. Et bon, un jour peut-être, si j'ai la foi. Hein, après tout, il paraît que j'aime bien les escargots. Bien. Ça m'embête un peu qu'il a fallu refaire quand même la récupération de la rune, sachant qu'on l'avait déjà fait. Je savais, je l'ai pas vu pourtant. Genre. Défense d'entrée. Ici sont ensevelis les démons des ténèbres. Banni du monde du bien et de la lumière, jusqu'au jour où la terre s'ouvrira. Personne, pas même le sinistre Lord Zarok, ne peut les libérer sans l'artefact de l'ombre. Pars immédiatement, ou partage leur triste sort. Ça m'aide. Merci Shenpu pour le follow. Alors ça ne s'affiche pas parce que là je stream directement depuis la PS4, mais en général quand on est sur l'ordinateur, on a la donne de Streamlabs qui s'affiche. Donc je l'ai dit à l'oral, pareil pour les dons et pareil pour les dons à l'OASO d'ailleurs, ça s'affiche jamais, mais je l'ai dit sans aucun problème. Tu as l'artefact du coup Nino, oui il est là. Il est là, ici. J'ai voulu tester, je sais pas à quoi ça sert donc. Allez. Mais du coup, si Zarok il est derrière nous, il va pouvoir y accéder, c'est un peu bête comme scénario. J'ai peur. Oh là! Ok, les quatre éléments. S'il y en a un cinquième, il faut demander à Lilou Dallas. Sir Dan, pour poursuivre ta route. Tu dois t'emparer du talisman de l'ombre. Bien qu'elle soit maudite, cette relique te permettra de t'aventurer sur le territoire des démons des ténèbres. Eh bien, c'est ce que nous avons. Nous avons une rune ici. Ah là, il y a le calice, ok. Bon, au moins, on sait où est le calice du niveau. Je teste, je sais qu'il faut le mettre au milieu. Non?
Attendez, 2 secondes. Donc mon artefact d'ombre a été utilisé. Je ne l'ai plus. Là, il y a le calice. Ah, il y a quelque chose là au mur. Feu, eau, vent, air. Et au milieu, c'est quoi, c'est un dragon? Ah, c'est d'accord, ok. C'est il faut les appuyer dans un ordre précis, donc feu. Non, c'est pas ça. Je me suis trompé. Feu. Eau. Je sais pas si c'est vent, air. Waouh, il y a plein d'âmes qui s'échappent. Oui, il y a donc. Ça fait beaucoup là. Je peux. Ouais, on va éviter de tomber dedans. Vous avez retrouvé un talisman de l'ombre. Relique impie des démons des ténèbres déconseillé au moins de 12 ans. Peggy 12. Et le calice est ouvert. Donc, il est pas tout vert, la couleur tout verte. Hein. C'est la porte qui est ouverte, en fait, le jeu de mots. On va pouvoir sortir de là, mais du coup, on va aller où maintenant? Parce que, attends, nous, on vient de là. Ah bah, on va aller là. Ah, mais il y a une fiole, je vais pas la prendre de suite. La forme ressemble au trou du pilier. C'est un spoil, ça. Ça, c'est du spoil. Est-ce qu'on peut dire où est-ce qu'on est ressorti? Ah, bonjour. Mais qu'est-ce que tu as fait? Une fois de plus, les démons des ténèbres mettent tout le pays sans dessus-dessous, et tout ça par ta faute! Les créatures les plus destructrices et misérables de l'histoire du monde, et tu rends la liberté avant l'heure. Ils doivent être en route pour les ruines du château du roi Pérégrin. Calomère est perdu! Oups, j'ai peut-être fait une bêtise. Le Commodore, ah j'ai pas cette partie, j'ai réfléchi pas votre, sorry, par rapport aux spells. Non mais je m'en fiche hein, le Commodore, en fait, enfin, je m'en fiche, non pas totalement, mais là pour ça, franchement, ça me dérange pas. Parce que ce que j'ai expliqué il y a, au premier stream en fait, c'est que ce jeu Medieval, je l'ai fait il y a 20 ans, hein, du coup sur la PlayStation 1. Je sais, je me souviens que j'avais beaucoup aimé le faire, mais par contre je ne me souviens de rien, mais de rien, de l'histoire, en tout cas du gameplay, de ce qu'il faut faire, mais vraiment de rien. Donc si on me donne un petit coup de main de ce genre d'indice, sincèrement je m'en fiche un peu, c'est pas très grave. D'autres, ça pourrait déranger d'autres personnes, hein, ça c'est sûr, mais moi je m'en fiche. Donc là nous avons de nouveau des piliers. Rune d'étoile requise. Ah, mais des piliers avec des symboles quand même, hein. Et il a dit, la gargouille a dit tout à l'heure, qu'on a libéré plein de démons. Donc, je suppose peut-être qu'il va falloir refaire les anciens niveaux pour aller casser du démon. Mais qu'est-ce que tu... Non mais j'ai pas envie de te parler là de suite. Ah mon dieu! Il m'a fait peur lui là. Démons assoiffés de sang comptent parmi les pires menaces que l'humanité ait connues. Heureusement, ils furent emprisonnés dans un coffre hermétiquement clos par un grand héros il y a de cela des siècles.
Ne t'inquiète pas, on ne risque rien. Seul un parfait imbécile les libérerait. Oh, dis-moi que tu n'as pas fait ça. Oups. Par contre, ils sont pas faciles à voir, hein. Ça grogne. J'aime pas trop quand ça grogne comme ça. Des fois, oui, mais des fois, c'est des grognements d'animaux, c'est pas très grave. C'est des gentils chiens, des gentils loups. Mais des grognements de démons, je suis pas méga fan. Ils me font mal! Il y en a combien? Mais je sais même pas si j'arrive à... Il y en a encore ou c'est bon là? T'as vu, ça fait monter le calice. Oui, et pas qu'un peu apparemment. Mais du coup, c'est... Je dis beaucoup du coup. Ça devient un nouveau tic de langage, c'est insupportable. Et donc, ça doit... Ah mais je peux pas retomber là. D'accord, bon bah on va avancer. Mais regarde, je l'ai même pas vu, il est là le truc et... C'est bon t'es... Mais ils sont combien? Ils sont 3 par 3? J'ai l'impression qu'ils sont 3 sur les mêmes spots à chaque fois. Ah, on est retombé là, d'accord. Je me fais démonter la gueule par les démons. J'arrive pas à aller voir quand il y pop en fait. Encore? Et les autres qui ont repop là? Oh là là, c'est la fête hein. Ça a bougé. Il y a un truc en face. Voilà, il a repop sur moi, je comprends pas. Ou alors il se téléporte peut-être? Mais pourtant j'ai l'impression que le calice monte à chaque fois. Donc ça serait du démon 3 en 1. C'est des shampoings en fait. Oh! Là où il y avait la sorcière, c'est bloqué maintenant. Elle s'est fait... La sorcière est prisonnière, peut-être? Il va falloir sauver les sorcières, c'est ça? Tu as des armes de distance. Ah bon? Je dis ah bon, mais je l'équipe quand même. C'est à grogner. Vas-y, repop. Voilà, viens là, troisième. Le deuxième. Allez, encore un. Non, en fait, c'est bien un seul et même démon qui se téléporte. Bon, on va chercher le calice. Mais j'ai plus de vie, en fait. Non, j'ai pas du tout fait attention à ma vie. Mais genre pas du tout. Honte, j'ai honte. J'ai très honte. Elle est partie comme neige au soleil sur les démons. Ah ouais, mais complètement. Hein. Oh non. Ah, bon. On n'a pas fait tant que ça, au final. Après, là, il y en a deux. Là, il y en a un. Là, il y a des plantes. Ah mais c'est l'autre qui me tire dessus là.
Là, il y a 3 crapauds, je crois. Il y a une plante avec aussi. 1, 2, 3, ok. Ensuite, là, il y a une plante. Là où il y a des pièces, mais on s'en fiche. Là, il y a un crapaud en haut et un derrière. On va récupérer de la vie. Retourne chercher. On n'a pas la rune sur nous par hasard. Et non, non, faut quand même aller la rechercher. C'est pas drôle. Est-ce qu'on va... Bon, on tente. Ok, on tente pas. Voilà. Maintenant, on peut tenter. On laisse les deux autres sur le côté, ils servent à rien. On va attendre qu'il passe une fois. Et bon, allez, go! Et voilà. Non, attention. Ça change à chaque fois l'ordre ou... Allez, saute. Saute. Allez. C'est le troisième à chaque fois. Oh là là, c'est chiant. Ah tiens, il m'a pas eu là. D'où il me tire dessus à travers le champignon là? Il est où le patch 3D? Oui, je récupère de la vie, vous en faites pas, j'ai vu. Et là, c'est une grenouille, un crapaud. C'est pas une plante, c'est bizarre. J'ai eu chaud. Et là, c'est une plante. D'accord. Et recoucou Jake, juste pour te dire que je suis en train de regarder ton stream avec ma dulcinée, elle trouve que tu as une très jolie voix. Merci. Merci beaucoup. Après, il y a le micro et les effets qui y jouent, ça aide pas mal quand même. Enfin, les effets. Il n'y a pas tant que ça, il y a juste un tout petit peu d'égaliseur parce que j'ai certaines fréquences dans les voix que je préfère et d'autres moins, donc je joue un peu avec ça. C'est pas la radio, c'est pas mon métier pour rien de base. Bien que là, en stream, c'est un petit peu à l'arrache, mais bon, ça me convient. Tu as toujours eu une très jolie voix. Tu m'as jamais entendu en vrai. En vrai, vrai. En vrai, je dis pas que ma voix est dégueulasse, hein, mais...
Ah, je peux pas passer la cinématique. Je réponds à un message, attendez. Voilà. Ou sur YouTube à l'époque de tes chances. Je vois pas de quoi tu parles. Du tout. Je fais l'innocent. Je ne connais pas ce genre de choses. Je ne sais pas de quoi tu parles. Enfin, à l'époque des parodies, pour 90% des chansons, c'est pas moi qui chantait bien souvent, j'écrivais, mais c'était Lenny, hein, le chanteur à l'époque. Nino 28, je disais Ralga, même sans les effets, t'as une belle voix. Non, faut pas exagérer, arrêtez. Je vais rougir. Regardez, je rougis à travers l'écran. Oh, une fiole. Est-ce qu'il faut? Mais qu'est-ce que tu as? Ok. Reste pas au cac. Bah ouais, mais. Je vois pas trop comment les esquiver en fait. Là, il y en a deux là-bas. Ils font trop mal. Ouais, franchement, ouais. 25% du calice. Sur YouTube, il y en a quand même certaines où c'est toi qui chantes. Oui, mais elles sont très oubliables. Il faut les oublier d'ailleurs. Et normalement, si je me trompe pas, je dis ça comme ça, elles sont pas censées être retrouvées. J'espère du moins. N'allez pas les retrouver, je vous interdis. Ralga vient de les retrouver. Non, non, non. Celles de Lenny, oui, bien sûr, elles sont toujours là, heureusement d'ailleurs. Ok, non. Est-ce que la modération peut effacer le message de Ralga? Ralga, t'es le modérateur, efface ton propre message. C'est là où je suis content qu'au final le chat n'apparaisse pas à l'écran. C'est la pire, t'es allé chercher la pire, quoi. Il suffira d'un wipe. C'est Lenny qui chante. J'ai trop mal. Elles me font trop trop mal. C'est vraiment mal. Que de bons souvenirs à une époque où j'écoutais dans la piste. Après, pour ma défense, j'avais pas du tout le même matériel qu'aujourd'hui. Hein. Ça y joue aussi. Bon, je cherche des excuses, mais bon. Une personne a eu le bon goût de créer une playlist avec toutes les parodies avant qu'elles soient mises en...
Attends, je me demande si j'ai oublié ce détail-là, si c'est moi ou pas qui ai fait ça. J'irai vérifier après si c'est moi, je les dégage de la playlist. Si c'est pas moi, ben, je suis dans la merde. Vous dites quoi? Ce n'est pas une playlist à toi. Merde! Ah, merde! Sur aucun des comptes, enfin, j'en ai plusieurs sur YouTube. Enfin, tu les connais de toute façon, mais. C'est pas comme si j'étais pas identifiable dessus. Shenpu, JVC Content. Ouais! Bah, vite! Et vous vous rendez compte que les parodies, ça. Enfin, Ivalice, et donc WoW Ivalice, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est lié à World of Warcraft. Ça date, ça a maintenant. 2012, 2013, quelque chose comme ça. Ça date de cette époque-là. C'est vieux, hein. Il y en a, depuis, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu de nouvelles. Très longtemps. Il y a d'autres textes qui traînent, qui n'ont jamais été chantés, etc. Mais... Enfin, j'ai pas envie de les interpréter et j'ai jamais cherché quelqu'un pour... Enfin, une nouvelle personne pour les interpréter, en tout cas. Bon, il me reste qu'une seule barre de vie. Une seule barre de vie. Si vous voyez quelque chose bouger, je vois pas. J'en avais écouté quelques-unes à l'époque d'un mec pas mal connu. Ah ! Après, des parodies sur WoW, il y a plein de gens qui les ont fait. Moi, c'était, et nous, avec Lenny, c'était spécifique au serveur privé Ivalice. Après, il y avait... Oh, j'ai oublié leur nom. Il y en avait deux grands, enfin gros streamers, enfin streamers, youtubeurs à l'époque et youtubeuses qui en avaient fait. Elles étaient géniales, leurs chansons. Très très bien interprétées, très bien écrites. Et ils avaient fait... ils avaient cartonné avec ça. Mais par contre, j'ai oublié leur nom. Ces dates. Ah, un coffre. Il y en a un que j'ai pas tué, il se balade. Ok. On est bon. Deux options. On prend le calice maintenant. Oui, on va chercher le calice, il y a une fiole là-bas. Mais attends, ça veut dire que... Ça grogne encore. Hein. Ça grogne encore, ça veut dire qu'il y a du démon encore. S'il y en a dans la zone là... mal ne pas prendre ce dégât là. Allez, on y retourne. Normalement, c'est safe. Qu'est-ce que tu dis? On trouve également certaines vidéos sur un certain site, un e-mon-site. Oh mon dieu, oui, le ce site. Je sais même pas pourquoi est-ce qu'il est toujours en ligne. Ça fait des années qu'il est pas maintenu. Il doit y avoir des virus et tout dessus. Petit cadeau Noël, ouais, notamment. Shenpu qui dit Geoffrey. Geoffrey, c'est exactement ça. C'est lui. Franchement, ouais, ces textes, ils étaient géniaux. Et s'il me semble bien, même, il tenait une boutique d'informatique sur Toulouse. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais Geoffrey, ouais, il était vraiment trop bien. Il avait fait un duo avec une demoiselle qui avait aussi fait des chansons de son côté. Et c'était vraiment bien. Bon, enfin, je joue à Medieval, je joue pas World of Warcraft, et on est en train de parler World of Warcraft, c'est bizarre. Mais on peut parler tout et de rien, c'est pas gênant. Bien, avançons. Donc c'est quelle rune tu as dit toi? La rune d'étoiles, ok. Nous avons le calice, ça serait bien de terminer le niveau, histoire de safe un peu, parce qu'on a quand même pris pas mal de dégâts.
C'est comme si j'avais rien fait, quoi. Référence à l'histoire sans fin, peut-être. Oh, on peut se heal tout là-haut. Oh mon dieu, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est un boss. Oh non. Oh non. Comment je vais faire? J'ai rien envie, j'ai rien du tout. Deux secondes. Je vais juste boire un coup. J'ai la bouteille à côté. De l'eau, je précise. De l'eau pétillante au citron. La solitude est présente. Ah oui, complètement. Hein. Qu'est-ce qu'on dit en emote? Tché, va-t'en. J'aimerais bien faire demi-tour, mais quand tu vois la plateforme en plein milieu, déjà je ne sais pas comment j'y suis accédé. La cinématique ne nous l'a pas montré. Mais là... Elle bouge la plateforme. Elles sont où les gargouilles là? Elle est où la caméra? Il n'y a plus de caméra. Au revoir la caméra. Vous avez vu leur vie? Waouh, oui, on se calme. Oh mon dieu, la plateforme elle bouge. Oh non, 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 non. Ah, je déteste ces systèmes-là. Ah, la... ah. En même temps, une plateforme dans le vide comme ça ne pouvait que bouger, sinon c'est pas drôle. Au secours! Je suis tombé, j'ai sauté dedans. J'ai sauté dans le volcan. Quelle heure il est? D'accord, c'était juste pour être sûr. Ça fait presque une heure qu'on est sur le niveau. Dommage, ça démarrait bien. Ouais, ça dépend du point de vue. Aussi, si vous lui avez donné votre force, j'avoue, tu m'as demandé quand est-ce que tu pouvais y retourner. Ah, dans la forêt enchantée, oui, mais en fait, je crois que là, c'était la seule option. Je ne pouvais pas faire autrement que de retourner dans ce monde. Là, il y en a 3 et une plante, si je me trompe pas, comme tout à l'heure. C'est bon? Non, c'est pas bon. Si, c'est bon. Faites-moi penser que j'ai laissé un crapaud à terre. Yeah.
va tuer les deux autres parce que tout à l'heure ils nous ont touché depuis le haut du champignon et ça a traversé le champignon. Vas-y, passe. Allez. Voilà. Vas-y, repasse. Allez, repasse. Ok, c'est bon. Allez. Ah, j'aurais pu ne pas prendre ces dégâts là. Qu'est-ce qu'on dit dans le chat? Dodo meurt bien, merci. Merci beaucoup Ralga. Bonne nuit Ralga. J'y vais aussi par extension, ça marche. Bonne nuit Nino. Bisous à vous aussi. Souvenez-vous, j'avais laissé un crapaud à terre. Mais non! Bon, on va essayer de viser un petit peu mieux. Alors, c'était quoi déjà? C'était feu. Feu, tourbillon, vague. Feu, tourbillon, vague et souffle. Et là on se tape la cinématique, on ne peut pas passer. Ça, le calice on verra plus tard, on sort. On laisse la potion propre. J'ai pris la potion. Heureusement que je dis on laisse la potion et donc la fiole pour plus tard parce qu'on sait qu'on va en avoir besoin. Là je n'en ai pas du tout besoin, qu'est-ce que je fais? Je la prends.
Non mais sérieusement quoi, j'ai intérêt vraiment à gérer ces démons. Parce que ça va être galère là. Kappa, ouais. Vas-y, raconte-moi ta vie, toi. Voilà, c'est bon. Allez, c'est bon, tu m'as raconté ta vie. Putain, il m'a mis ça, quoi. Un démon, voilà ce que je prends. Sérieux. Pas possible, il y a quoi en arme qui serait plus efficace contre les démons? L'épée? Mais pareil, je vais être au corps à corps, je vais prendre des dégâts, l'arbalète. L'arbalète? L'arc? L'arc, tu penses? Oh bien. Ok, j'utilise un peu trop de munitions parce que je panique, mais franchement, bien joué. J'avais testé sur les épouvantails et c'était pas mal. D'accord, ok. Ah putain, oui, ces épouvantails. Qu'est-ce qu'ils étaient chiants et casse-couilles. Oh là là. Il est mort? On va dire que oui. Eh bien, franchement super l'arc. Merci beaucoup, Commodore. Allez, encore une troisième fois. Ok. Je crois qu'il y en avait qu'un là-bas. J'étais pas sûr de mon cours. Coucou, après que ça fonctionne. Ouais, mais bon, tant que ça fonctionne, c'est le principal. Il n'y en a pas d'autre. Là, par là, il y en avait un. Ok. Let's go le calice. Non, 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 non,
La panique d'un homme, je sais pas ce que j'ai fait, mais attends, j'ai sauté au pied du machin et je suis pas mort. Enfin, il m'a pas compté de fiole. Tout à l'heure, il m'a compté une fiole pour ça. Et voilà! Là, il n'y a plus la fiole, hein, du coup. T'as toujours plus de vie que pour le boss que tout à l'heure. Oui, c'est sûr. La question est-ce que le boss est aussi autant sensible aux flèches enflammées? Sachant que là, je vais me taper un ou deux démons. Non? Ça passe? Bon, ça a l'air d'aller. Attendez, avant de faire ça... Est-ce qu'il n'y a pas une fontaine derrière, là? Non, elle est bien cramée en entier. Parce que ouais, j'aurais bien voulu me régénérer du coup. On va voir déjà si ça peut se viser automatiquement ou pas. Ce sont des démonettes, on n'avait pas vu tout à l'heure. Ok, faut pas... Non ! Ah ! C'est bon à savoir ça. On reste au milieu, hein. Non plus! Prudence. Prudence, prudence. Ah! Ah! Et je... Oh la honte. Je pense qu'avec la fiole qu'on a pris en trop tout à l'heure, et qu'on donc on avait besoin, ça nous aurait été utile et je pense que ça serait passé. Bon, on sait que l'arc fait plus mal qu'autre chose. C'est pas mal. On recommence... Je suis désolé, ça doit être tellement lassant, déjà que ça l'est pour moi. Peut-être tanker une ou deux boules de feu avec le bouclier. Ouais, j'ai vraiment pas le réflexe du bouclier, faut que j'y arrive. Yeah.
J'ai fait n'importe quoi. Il est mort. Ok. Ah, c'est rageant. En face, on voit qu'il y a deux fontaines de jouvence avec deux fioles sur un temps très... sur un temps, sur une distance très courte. Ça veut dire qu'il y aurait une nouvelle phase pour le boss après? C'est perturbant. Et c'est frustrant aussi. Eh ben il monte. Imbécile. Pour noter qu'il reste un tout petit peu de fontaine de soin. Tout petit peu. Alors, c'était feu, tourbillon. Hop, la vague et souffle. Et cinématique qu'on ne peut toujours pas passer.
coup là, troisième, quatrième fois. Attendez, hein, comme d'habitude, c'est les cinématiques où j'envoie des messages. Voilà, alors. Alors, on fait attention. Je passe sur le côté. Voilà, je laisse la fiole volontairement. Vas-y, parle-nous parce que tu vas nous embêter sinon. Voilà. On change d'arme. On va mettre un arc avec des flèches enflammées en arme principale. C'est par où déjà ? Mais le truc il m'a pop dessus. Un deuxième hein, derrière. Et parce que normalement il y en avait trois ici. Enfin un, deux et voilà. Il m'a quand même mis des dégâts. Et oh, crame en silence. Il y en avait un autre là-bas. Non ? Sérieusement ? Ils sont pas tous au même endroit, c'est perturbant. Je peux maintenant récupérer le calice cool. Mais est-ce qu'il n'y en a pas d'autres parce qu'ils vont me faire chier sinon? Non? Si, là, il y en a un là. Ok. On va racheter des flèches enflammées. Ça ira. On va chercher le calice.
Sachant que là, il y a une plante, hein, on l'a vu. Ah ben non, elles sont trois. Ou enfin, tout à l'heure, elles étaient trois aussi, je crois. Est-ce qu'elle est revenue? Non, c'est bon, ok. Là, on prend la potion. J'ai peur qu'il y en a un qui me tombe dessus, le méchant, quoi. Bon, techniquement, on est censé se sentir mieux par rapport aux deux essais précédents du boss. On est quasi full vie, il nous manque un tout petit bout de la quatrième fiole. Et du coup, on a 4 fioles maintenant au lieu de 3 grâce à Commodore. On va voir si ça se passe mieux. Là, l'idéal, c'est de ne pas tomber des plateformes pour mieux gérer le boss, enfin les boss, parce que du coup, elles sont deux. On va bien voir. Croisez les doigts pour moi. Et j'espère qu'il n'y aura pas deux ou trois phases parce que ce qu'on a vu de loin tout à l'heure, ça m'inquiète beaucoup. Deux fontaines de jouvence, des fioles au même endroit, ça en paraît beaucoup quand même. Voilà, première fiole, c'est mort. Mais regardez tout ce qui arrive d'un coup là. Oh là, oh, c'est Noël ? Non, tombe pas, tombe pas, tombe pas. J'ai eu un trophée. Alors attendez, que je me plante pas, parce qu'on sait jamais. Ok. Pourquoi il y a encore une fontaine ? C'est comme si ça veut dire, voulait dire que ce combat c'était... il nous mettait si... Enfin, quasiment à pas vie du tout jusqu'à crever pour avoir deux fontaines. Il y a deux fioles là-bas. Pareil, ces fioles, elles me servent à rien du coup. Et je vais clairement pas remonter, le boss il est fait, donc bon. Je les prends, mais ça me sert à que dalle. Ah ok, c'était là, on va retomber.
On a la rune d'étoiles qu'on nous a demandé. Donc on va pouvoir aller de l'autre côté. J'aurais pu faire l'autre tour, c'est vrai, mais bon, pff, c'est pareil. Ah bah c'est la sortie du niveau en fait. Tant mieux. On va faire le plein. Ah oui, bien. Il nous manquait plein d'armes, enfin de flèches enflammées. Par contre, ça coûte une blinde, encore une fois. T'as rien à nous dire, toi? Non? Bon. Qui veut nous parler aujourd'hui? Ah, alors on a le choix entre toi, celui qui nous a donné la lance, et c'est tout. Bon, soit. Sois maudit, Fortiche. Je te parie que tu vas revenir manger le pissenlit par la racine d'ici peu. Hé, j'ai quelque chose pour toi. Je crois que tu vas apprécier. Tu le veux? De l'argent. C'est un petit peu radin sur l'argent quand même, parce que ça fait pas... Enfin, 100 pièces à peu près, c'est pas énorme. Ah, nouvelle zone. Mais du coup, on a libéré des âmes de démons sur le monde, on est d'accord. Est-ce que ces âmes de démons sont dans les anciens niveaux? Enfin, les anciens niveaux, dans tout ce qu'on a fait précédemment. J'en ai bien peur. Je sens venir quelque chose comme ça, donc...